Bonsoir, bonne année et bienvenue pour le retour des préludes et fugues du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach que nous travaillons ensemble. Donc nous étions arrivés en 2020 au prélude 12. Donc nous allons attaquer le prélude 12. On termine par Fa, l'accord de Fa. Alors, c'est parti, 4 bémols à la clé, si bémol, la bémol, ré bémol. Voilà, donc j'ai commencé pour vous dire, je m'arrête pour vous dire qu'il y a beaucoup d'altérations modifiées, c'est-à-dire que là, mi bécart, ici mi bécart, à nouveau mi bécart, et là aussi, beaucoup de mi bécart et la bécart, et puis ça repart. On commence, on fait bien attention. Mi bécart. Alors, ce qui est très remarquable aussi, c'est les voix qui sont tenues. Là, vous avez à la main gauche qui tient pendant 4 temps, plus 2 temps, puisque c'est lié la ronde avec une blanche. Ça fait 6 temps. Et puis, vous avez les noirs qui sont tenus pendant les doubles crosses. Attention, là, il y a des complications, je reprends. Donc, il faut bien faire attention à bien tenir les noirs. C'est ça qui est beau. Thank you.
attention, bécard. Alors, il y a beaucoup de bécards, beaucoup de pièges. Hein. Donc, il faut faire très attention. Donc, dans ces cas-là, moi, je ralentis. Et ça reprend le thème du début. Voilà, nous avons dépassé les 5 minutes, mais ça vaut le coup parce que ce prélude numéro 12 est absolument magnifique, comme toutes les œuvres de Jean-Sébastien Bach d'ailleurs. Donc à bientôt, à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner, à liker si vous aimez, à laisser un commentaire et à partager. Voilà. Je donne des stages sur Jean-Sébastien Bach, si vous le souhaitez, en week-end et pendant les vacances scolaires. À bientôt. Merci.